cette machine arrache le lin debout. Donc le lin se trouve comme ça dans la parcelle. Le lin est arraché par les courroies et les poulies. Donc il n'est pas coupé, il est bien arraché de la terre. Il monte dans tous les courroies et se retrouve à plat en haut. Et ensuite, il passe dans les écraseurs de pieds, ce qui favorise le rouissage des pieds. Ça fait des micro-fissures dans les pieds pour faciliter le travail du lin. Donc c'est une motorisation, donc c'est une trois roues motrice et directrice, entraînée tout simplement hydrostatiquement. Elle est entraînée que par des moteurs hydrauliques. Quand l'élément arracheur est en travail, donc c'est-à-dire qu'il arrache le lin, la roue de derrière se bloque. Voilà, la roue de derrière ne tourne que quand l'élément arracheur ne travaille pas. Se retrouve devant la machine. Donc faut savoir que le lin se travaille toujours tête à gauche. Donc le lin se retrouve posé devant la machine. Cette machine donc ramasse le lin, passe dans les courroies et comme son nom l'indique, retourneuse, le lin se retrouve de l'autre côté. Donc derrière la machine, le lin se retrouve tête à droite. Donc ce qui consiste, le dessous revient au-dessus pour continuer le rouissage. Le débit de chantier est d'environ 2 hectares à l'heure, à une moyenne de 15 km/h à peu près. C'est qu'elle a des bras qui tiennent tout le temps court, qui ramasse le lin très solide, vu à son gabarit. Elle a aussi une très bonne cabine, ce qui conforte le chantier, climatisation, siège confort, enfin cabine tout confort. Et elle est aussi équipée de lames de ressort sur l'essieu arrière.